Bonjour belle âme, je vous souhaite une belle et heureuse année pour 2022. Je vous souhaite une excellente santé. Le conseil que j'ai à vous donner pour cette année, je vous ai expliqué qu'il va y avoir quand même pas mal de turbulences. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est n'oubliez pas les rendez-vous avec vous-même qui vont être les plus importants de votre vie afin de pouvoir vous recentrer, trouver la paix intérieure, vous calmer, pour éviter d'être dans une tempête émotionnelle. Alors, petit exercice que vous allez donc, je vous invite à le faire très régulièrement. Donc, mettez la main ici, mettez votre autre main là, et vous inspirez 6 temps et vous expirez 6 temps. Donc, 6 temps et vous expirez 6 temps. Vous inspirez 6 temps et vous expirez 6 temps. Je vous mets la main ici parce qu'à aucun moment ma main bouge ici. C'est uniquement le ventre qui bouge. Hein. Donc on est vraiment dans l'inspire et l'expire, uniquement dans la force de vie. Inspirez la paix. Expirez la paix afin qu'elle vienne vraiment dans tout votre corps, votre cellule, dans tous vos organes. Inspirez la paix. Expirez la paix. Lorsque vous aurez donc l'habitude de le faire, lorsque vous vous sentirez que votre force de vie reprend le pouvoir, que vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix, vous pourrez rajouter j'inspire la paix, j'expire la paix, j'inspire la paix, je diffuse la paix. Mais avant de diffuser la paix, il faut que vous instauriez la paix à l'intérieur de vous-même. Et d'arrêter d'être divisé avec votre ego et votre force de vie. Alors, empruntez, autorisez-vous, engagez-vous d'emprunter vraiment la voie du cœur. Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.